Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de gâteau moelleux au coing et aux amandes. Alors le coing, je n'ai pas l'habitude de le cuisiner en gâteau, mais je peux vous assurer que c'est un délice. Ici, on va le pocher au préalable dans un sirop, car il ne peut pas être cuit directement dans le gâteau. Et le gâteau va être parfumé aux amandes, voilà, le mariage des deux, c'est à tester absolument. J'espère que ma recette vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans une grande casserole, on verse l'eau et le sucre. On ajoute le bâton de cannelle, puis on fend la gousse de vanille en deux sur la longueur avant de récupérer les grains de vanille. Alors ici, j'utilise une gousse de vanille noire ébène de chez davidvanille.com et n'oubliez pas qu'avec mon code promo JustinCooking, vous pouvez avoir 10% de réduction sur le site. On ajoute les grains de vanille dans la casserole avec la gousse fendue en deux. Puis on râpe les zestes d'orange que l'on ajoute dans la casserole. Ainsi que les zestes de citron. Et on porte le tout à ébullition, le sucre doit être totalement dissous pour obtenir un sirop léger. Puis pendant ce temps, on épluche les coings. Puis on les coupe en 4 et on recoupe chaque quartier en 2 ou en 3 en fonction de la taille avant de retirer les trognons. On doit obtenir de belles tranches de coing. On les plonge ensuite dans le sirop. Puis dans un petit pochon, on mettra quelques épluchures de coing avec quelques trognons et les pépins. Et on le plonge également dans le sirop avec les tranches de coing. On va faire cuire les fruits dans le sirop à petit bouillon pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce que les tranches soient bien tendres. Mais attention, elles ne doivent pas tomber en purée et être quand même un petit peu fermes. Puis on égoutte les tranches de coing que l'on réserve sur un plat. Voici ce que l'on doit obtenir. On laisse alors complètement refroidir avant de préparer la pâte à gâteau. Et alors une petite astuce, pour ma part j'ai fait réduire le sirop de cuisson des coings jusqu'à ce qu'il soit épais, bien sirupeux. Je pourrais ainsi m'en servir pour napper le gâteau et on ne gâche rien, on peut aussi l'utiliser pour sucrer des yaourts ou encore des infusions par exemple. Dans un saladier, on verse le beurre mou coupé en petits dés à température ambiante. Puis on ajoute le sucre et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées.
On fouette à l'aide du batteur pendant quelques minutes pour obtenir un mélange bien crémeux, un petit peu mousseux. Puis on incorpore les œufs un à un en fouettant bien entre chaque ajout pour obtenir un mélange lisse et crémeux. Alors vos œufs doivent être à température ambiante comme le beurre, sinon ils risqueraient de le faire trancher et vous n'aurez donc pas une préparation homogène. On ajoute enfin la poudre d'amande et la farine. Et on mélange à l'aide d'une marise jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. La pâte est prête. On prend alors un moule rond de 23 cm de diamètre, préalablement beurré puis chemisé de papier cuisson au fond, et on y verse la pâte. On la répartit bien uniformément sur toute la surface à l'aide d'une spatule. Puis on dispose les tranches de coin en rosace à la surface du gâteau. On saupoudre un petit peu de sucre sur les fruits. Voici ce que l'on doit obtenir. On préchauffera alors notre four à 165 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 45 à 50 minutes de cuisson. Alors la lame de votre couteau doit ressortir humide mais propre. À la sortie du four, on laissera totalement refroidir dans le moule. Puis on démoule délicatement sur un plat de présentation et on badigeonne soit avec de la confiture d'abricot chaude ou bien comme moi avec le sirop de cuisson des coins que vous aurez fait réduire. Le gâteau est alors prêt à être dégusté, il pourra se conserver 2-3 jours. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Mon gâteau moelleux aux coins et aux amandes est terminé. J'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous refaites ma recette à la maison.
Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.